La forêt magique. C'est l'automne. Les feuilles tombent tout doucement. C'est beau l'automne parce qu'il y a des jolies couleurs et plein de feuilles par terre magnifiques. Aujourd'hui, petit Midi a décidé d'aller dans la forêt. Il adore les odeurs de la forêt. Aïe! Il a marché sur un drôle de caillou. Je crois que c'est un caillou magique. Au revoir, petit caillou. Il se passe des drôles de choses dans cette forêt. Oh, il a une plume par terre. Je crois qu'il y a un oiseau par ici, ce petit Midi. Oh, un petit oiseau avec sa maman. Petit Midi adore écouter les oiseaux chanter. Midi adore se promener à côté du museau. Il regarde passer les poissons. Attention, Midi, de ne pas tomber dans la rivière. Oh, une grenouille. Elle est rigolote. La peau du bateau, c'est qu'est-ce qu'il a fait lui? Midi a trop envie de se baigner. C'est interdit de se baigner. Regarde, c'est écrit. Baignade interdite. C'est sûrement de l'eau. Ah, des petits escargots. Des drôles de petites bêtes. Midi est trop content. Il a retrouvé sa copine Luna. Qu'est-ce que tu fais, Luna? Chut, fais pas de bruit. Je regarde des animaux. Oh, regarde, il y a un renard là-bas. Un papillon. J'adore les papillons. Regarde un cercle, il est trop beau. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Oh, regarde là-bas le joli hérisson. Une petite souris. Elle est partie. Elle a eu peur. Non mais tiens, on continue la balade. Elle trouve des papiers par terre. Peur que c'était dedans. Et si on les ramassait? Oh ouais, bonne idée. Nous on veut que la forêt soit toujours belle. Et que les animaux soient toujours contents. Oh, il est tard, il faut rentrer à la maison. Il fait déjà presque nuit. Il fait nuit, tout le monde s'endort. Petit métier est bien au chaud dans son lit. Tout le monde dort, sauf la chouette qui se réveille. Bonne nuit, Midi et Luna. L'histoire est finie. À bientôt.